Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information sur Malikounafoni Web TV. Secteur de la communication et des médias, un atelier de finalisation du cadre juridique et réglementaire des médias se tient depuis hier à Sigou, dans un hôtel de la place sur initiative de la Maison de la Presse. La cérémonie d'ouverture des travaux était présidée par le gouverneur de la région de Sigou, Alassane Traoré. C'était en présence des présidents de la commission médias éthiques de la haute autorité de la commission HAC, Mahaman Amey Sissé, et de la maison de la presse Bandjougou Danté. Présent parlant culture, tisserand et forgeron de Bamako, le ministre Guindo, impressionné par leur savoir-faire. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoli Guindo, a visité mardi dernier des sites de l'artisanat à Bamako. Il est d'abord allé voir les tisserands installés près de l'école fondamentale à Medinakura. Ces artisans continuent de confectionner des couvertures, des pagnes et autres à Tours. Mariage forcé à Bafoulabé, une jeune fille d'environ 15 ans a été retrouvée morte ce week-end à Yilimalo, un hameau de culture de Soumbala dans la commune de Koundia, cercle de Bafoulabé. Elle se serait donnée la mort par pendaison. Des proches de la victime indiquent que la cause du suicide serait un mariage forcé. Elle précise qu'elle avait été battue et amenée de force chez son mari quelques jours avant le suicide. La brigade de gendarmerie de Manantali s'est rendue sur les lieux. Au moins 5 personnes ont été arrêtées. Que son âme repose en paix. Incendie à Kita, des morts, une femme et son enfant et un blessé grave. C'est le bilan de l'incendie survenu jeudi dernier à Kita. C'était aux environs de 2h du matin dans une famille de Kita Logetoko. Pour l'instant, les causes du sinistre restent inconnues. Les deux morts ont été enterrés dans la localité. Que leur âme repose en paix. Nioro du Sahel, un mort, un blessé, deux véhicules totalement endommagés. C'est le bilan d'un accident de la circulation survenu ce week-end entre les villages de Kungo et Djonkoumane de la commune de Bema, cercle de Diema. Un des rescapés indique que les deux véhicules sont entrés en collision en voulant éviter les ânes qui occupaient la route. Présent les actualités hors de nos frontières, nous partons au Niger où plusieurs ministres changent de poste, notamment le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Haba, qui quitte ce ministère stratégique. Ce changement intervient quelques jours après les incidents à Téra où un convoi de l'armée française a été pris à partie par la population. C'est donc tout pour votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro. Merci de rester fidèles à Malikounafoni. Bonne journée de mardi. Merci.